Bonjour, c'est Zabou Bretman pour Road to Cinema ou en français Road to Cinema. Alors je suis ici au Festival de Cannes parce que j'ai été invitée pour un débat pour le cinéma positif fondé par Jacques Attali et une interview avec Audrey Tcherkov sur guerre et cinéma. Et j'aime énormément cette initiative, non seulement sur ce sujet de guerre et cinéma, mais sur tous les sujets qui sont en train de se développer là. En même temps qu'on parle sur l'exclusion ou l'inclusion, même si on n'aime pas trop le terme, comme Jacques Attali l'a soulevé, ou Rachel Kahn, parce que finalement, c'est comme si on mettait une nouvelle exclusion juste par un terme. Donc les mots ont leur importance et je pense que c'est pas mal de le soulever. Il y a aussi un débat sur le handicap et le cinéma. C'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment fondamental d'aborder tous ces sujets-là. Alors j'ai été invitée aussi parce que, pour parler donc de guerre et cinéma, parce que j'ai réalisé un film d'animation qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Je l'ai co-réalisé avec Eléa Gobemevelek, d'après le roman de Yasmina Kadra. C'est l'avènement des talibans en 2000 et qui malheureusement retrouve encore un écho épouvantable avec aujourd'hui, puisque les talibans ont repris Kaboul. Donc le film refait l'actualité, tristement. Mais je trouve très intéressant d'aborder le sujet de guerre et cinéma dans un prisme qui est-ce que le cinéma pourrait agir contre la guerre ou est-ce qu'il n'est qu'un reflet ? Donc voilà, ce sont des questions fondamentales et c'est formidable de faire un débat là-dessus. En fait, je n'ai pas choisi moi-même l'animation pour Les Hirondelles de Kaboul. Il m'a été proposé avec l'idée de l'animation. Or, ça m'a tout de suite plu parce qu'il y avait également une distance. Et ce dont parlait d'ailleurs Pascal Elbé tout à l'heure en parlant de la fiction, c'est la distance qui crée bizarrement la proximité. Si vous êtes trop près d'un tableau, vous ne le voyez pas. Si vous vous éloignez du tableau, vous le voyez. L'autre chose qui m'a toujours paru absolument parfaite, c'est que c'est interdit chez les talibans. Le dessin et la représentation d'êtres humains est interdite. Donc je trouvais ça parfait de faire un dessin pour raconter cette histoire, puisque le dessin est interdit, la représentation de l'être humain. J'ai même fait de Zunaira, le personnage principal, une dessinatrice, alors qu'en fait elle est avocate. Donc Yasmina Kadra était très gentille, m'a dit bon, c'est pas grave, mais il a vachement changé quand même. Mais j'en ai fait une dessinatrice pour qu'elle se dessine elle-même. C'est-à-dire que c'est une mise en abîme de l'évocation de l'art dans des milieux comme ça extrêmement intégristes où tout est réduit à le réel. Il faut voir ce qui est vrai et ce qui est vrai n'est pas vrai. Le réel n'est qu'une expression de ce qu'on pense par rapport. On peut pas avoir une pensée unique. Ça s'appelle la dictature sinon. Alors l'histoire du sujet des films dits films sur la guerre. Ce ne sont pas des films sur la guerre, ce sont des films sur forcément un être humain. C'est ce que racontait tout à l'heure Pascal Elbé. Le cinéma est fait pour raconter une émotion. Donc, on ne peut pas raconter la grande histoire comme ça, de manière vague. Ça ne touche personne sinon. Donc, on est obligé de raconter l'intime. Et c'est dans l'intimité qu'on va trouver la connexion avec des gens qui sont très loin. Si on raconte l'histoire d'un enfant en Ukraine qui a été, par exemple, envoyé à marcher tout seul, comme on en a vu, et se retrouver à la frontière polonaise pour être sauvé, envoyé malgré le chagrin des parents, il faut toujours penser à sauver une personne pour en sauver beaucoup. D'accord ? Et c'est ce sentiment d'appartenance, il n'est possible que si on a une connexion intime avec le sujet. Je pense que quel que soit le sujet du film, il faut trouver un axe d'intimité. Et quand parfois des productions ou disent « Ah oui, il faut que ça intéresse tout le monde », je pense que c'est faux. Il faut que ça intéresse l'artiste qui le crée. Pour les cinéphiles ou ceux qui ont envie de faire du cinéma, ils doivent toujours rapprocher l'histoire de ce qu'ils, comme on dit, de ce qu'ils sentent bien. S'ils ont envie de faire quelque chose, ça sera forcément leur axe. Il n'y a que ça qui est intéressant chez un artiste, c'est l'axe par lequel il va raconter une histoire et surtout la grande histoire. Plus l'axe est le sien, plus le cinéma est personnel et universel.